Mentir. On parle toujours de l'objectivité à la télévision ou dans la presse. Il n'y a pas de problème d'objectivité, il y a un problème de mensonge. Regardez. Vous avez ici, si on pouvait approcher une caméra. La Une, alors. La Une, par exemple. Oui. Vous avez ici le Bigaro et l'horreur, comme dirait mon camarade Magdan, ici présent. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Mais par contre, dès que vous ouvrez le journal, allez-y, ouvrez le journal. Vous avez le même après. Vous voyez? Vous voyez, cette page-là et cette page-là, c'est la même. Vous voyez ? Et si vous continuez, c'est pareil. Voilà. Vous voyez, moi, je ne la vends pas. Je ne les invente pas, moi, les trucs. Vous voyez ? C'est écrit dessus, là. On a deux journaux rigoureusement identiques. Est-ce qu'on voit ça ? Hein ? Regardez. Vous voyez ? Les gens qui achètent Laurent n'achètent pas forcément le Figaro, mais c'est les deux mêmes. Alors, je voudrais pas dire que je revendique le droit de râler contre tout ça. Mais j'ai l'impression quand même qu'on est un peu cerné. Qu'est-ce que vous en dites? On n'est pas cerné, vous? Franchement, c'est énorme, non? Quand il montre en direct ces deux journaux identiques, Coluche prend un très gros risque. Il se met à dos en effet Robert Hersant, le patron de ces deux journaux. L'homme qui, à l'époque, contrôle la majorité de la presse de province en France.